بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice sur les nombres décimaux relatifs de première année collégien. Royaume du Maroc. Exercice numéro 8. Écris tous les nombres entiers relatifs qui sont supérieurs ou égal à moins 5 et en même temps inférieurs ou égal à 3. Allez-y, faites un effort pour chercher les solutions possibles. Ici, je vais ajouter une remarque. Les nombres entiers relatifs. On ne parle pas des nombres décimaux. Parce qu'on a des nombres entiers, comme par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ce sont des nombres entiers naturels. Et on parle aussi des nombres entiers relatifs. Ça veut dire qu'on prend un entier naturel et on ajoute le signe plus ou le signe moins à sa gauche. Ça y est, vous avez fini? Maintenant, nous allons ensemble chercher la réponse. Réponse. Écrivons tous les nombres entiers relatifs qui sont supérieurs ou égaux à moins 5 et inférieurs ou égaux à 3. Donc ici, nous allons besoin de la figure, ça veut dire tracer un axe sur lequel on va poser les nombres relatifs, comme vous le voyez ici. Ici, le point O, son origine, d'abscisse 0, et le point I, d'abscisse 1. Et vous avez ici 2, 3, et la partie gauche de 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, les nombres relatifs qui sont supérieurs à moins 5 et inférieurs ou égal à 3, regardez ici, on a moins 5, ici on a 3. Donc les nombres entiers relatifs qui se trouvent entre moins 5 et 3 sont moins 5, parce qu'on a dit supérieur ou égal, donc moins 5 avec ces nombres, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et finalement, 3. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nombres. Il y a 9 nombres entiers relatifs qui sont supérieurs ou égaux à moins 5 et inférieurs ou égaux à 3. Ça veut dire qu'ils sont compris entre moins 5 et 3. Ces nombres relatifs sont moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et finalement 3. Ainsi, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourg Zeytoun de Marrakech. Au revoir.